Bonjour. Donc maintenant, nous sommes dans la phase des outils. On voudrait comprendre concrètement comment on fait du design thinking pour un manager qui voudrait, par exemple, participer à une innovation ou repenser un processus d'évaluation, de gestion d'équipe et pourquoi pas d'engagement. Donc concrètement, dans la phase empathie, quels sont les outils? Comment fait-on? Donc effectivement, le manager, il a un problème à résoudre avec son équipe. Mmh. Et donc pour résoudre ce problème, il faut d'abord qu'il comprenne le contexte de ce problème. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec son équipe? Il va se mettre à la place de l'utilisateur en l'interviewant, pour l'interviewer sur ses freins, ses obstacles, ses incompréhensions, mais aussi ses motivations, ses désirs. Ils vont se mettre à la place de l'utilisateur dans ce qu'on appelle l'exercice du vie-ma-vie, d'accord, pour comprendre les problèmes de la personne. En fait, l'utilisateur, c'est qui? C'est celui qui est concerné par le problème, d'accord. Et donc, après la phase d'empathie, l'équipe qui tente de résoudre le problème a bien compris tout le contexte parce qu'il a interviewé toutes les parties prenantes au problème. Très bien. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, la phase 1, c'est je comprends avec empathie et je me mets à la place de, je vis ce qu'il vit. Exactement. La phase 2, c'est donc une phase là de rétrécissement, de définition. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, on a une vision globale du contexte, mais on va recadrer le problème pour d'abord comprendre ce qu'on appelle les causes racines. D'accord? Parce qu'en fait, dans un problème, il y a plein d'éléments qui interviennent dans ce problème. Donc l'objectif, c'est de reformuler la problématique grâce à la méthode des 5 pourquoi. Il faut toujours dire, mais pourquoi ce problème existe? Mais alors, si ce problème existe parce que ça, pourquoi il y a ça? Et en fait, quand on pose 5 fois la question pourquoi, on identifie les causes racines. Il faut également identifier les objectifs à atteindre dans la mise en œuvre de la démarche d'amélioration et les contraintes à prendre en compte quand vous innovez. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, vous tentez de résoudre un problème, mais il faut prendre en compte la cible, les volumes, le marché, etc. Et obligatoirement, eh bien, ces contraintes interviendront dans les idées que vous devrez proposer ensuite pour résoudre le problème. Très bien, donc la phase 2, c'est la phase des points bloquants. On est là pour mettre du focus, de la lumière sur ce qui ne va pas ou sur ce qui va afin de comprendre le contexte. Exactement. Une fois qu'on a fait l'observation générale avec l'émotion et l'empathie, la définition, je mets en avant le contexte, je suis dans la phase là de créativité, ce qu'on Exactement. Appelle l'idéation. Exactement. L'idéation, en fait, il y a 3 étapes. D'abord, il faut briser la glace avec les personnes de l'équipe qui vont devoir proposer des idées. Puisqu'on est tous égaux, il faut libérer la parole. Donc, icebreaker, la première étape. Deuxième étape, le brainstorming, où là, c'est une approche en fait quantitative. Il faut proposer le plus d'idées possibles pour résoudre le problème initial. Et ensuite, ensemble, on sélectionne la plus prometteuse parce que c'est celle qui répond au problème posé et c'est celle qui prend en compte les contraintes qu'on a identifiées dans la phase de définition. Donc, cette étape d'idéation, on pourrait dire que c'est un peu l'étape aussi des matrices mentales. On va utiliser tous ses cerveaux, la créativité, la rationalité, la divergence. On va essayer d'être émotionnel, sensoriel. Exactement. Et on foisonne. Exactement. Pour arriver à l'étape 4. Le prototype. Le prototype, c'est quoi? C'est donner vie, en fait, à l'idée que vous avez sélectionnée. L'objectif, c'est de continuer à construire pour continuer à penser. Donc, vous allez donner vie à une idée, soit en faisant un scénario, soit en faisant une petite maquette avec de la colle. Et vous allez aller voir toutes les parties prenantes au problème et vous allez leur dire, alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça résout ton problème? Et là, vous recueillez des feedbacks. Et grâce à la 5e partie, le test, parce que vous allez identifier ce prototype-là et aller voir les parties prenantes pour faire tester votre prototype, vous allez intégrer les feedbacks de ces personnes-là pour faire évoluer l'innovation et surtout faire en sorte qu'elle soit adaptée au plus grand nombre. Donc si je résume, ici dans le prototypage, c'est « je pense avec mes mains », je fais du concret pour voir si c'est faisable. Et ensuite, dans le test, je la pose la question à toutes les parties prenantes pour voir si ça les intéresse, s'ils ont le même ressenti que moi et si cette magnifique idée, ce prototype est en tout cas totalement consensuel. Exactement. Voici les principales étapes du design thinking. On voit qu'il y a énormément de temps, de séquençage. En fait, c'est structuré avec des outils qui sont des outils complémentaires. Merci Alexandra. Merci Sophie.